On sera bientôt arrivés, Shepard. L'homme trouble nous a placés sous votre commandement. Quels sont vos ordres? Ça ne vous pose pas de problème d'être sous mes ordres? On ne vous a pas ressuscité pour jouer les seconds rôles, commandant. C'est l'homme trouble qui décide. Moi, je me contente d'obéir. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur les colonies? Rien. Aucun signe de combat. Pas le moindre cadavre. Pas même une trace de matériel génétique inhabituel. C'est comme si les colons s'étaient volatilisés. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on va trouver quelque chose d'intéressant sur cette planète? Sur toutes les autres colonies, les enquêteurs officiels sont arrivés avant nous. Et dans certains cas, les pirates et les équipes de secours aussi. Cette fois-ci, avec un peu de chance, on sera les premiers. On pourra peut-être trouver des indices intéressants. Vous devez être à 200% sur cette mission. Le moindre indice peut être crucial. Compris, commandant. Avec un peu de chance, on va enfin trouver une piste. Si on met la main sur ceux qui ont fait ça, je vous jure qu'ils vont passer un sale quart d'heure. De puissance. Snake n'aurait pas dû nous attaquer. Ils sont programmés pour ne pas faire de mal aux humains. Quelqu'un les a reprogrammés pour attaquer à vue. Nous ne sommes pas seuls. Ils nous ont vus. Engagé. Plus un geste. Razza, laissez-moi m'en occuper. Shepard? Avec les agents de Cerberus, on n'est jamais trop prudent. Baissez vos armes! Shepard? Est-ce que... C'est bien vous? Dites-moi, Tali. Vous avez pu utiliser mes données guettes pour terminer votre pèlerinage? Oui, merci. Baissez vos armes, Prazza. Pas de doute, c'est bien le commandant Shepard. Peut-être, mais j'aimerais savoir pourquoi votre ancien commandant travaille pour Cerberus. Eh bien, il n'y a qu'à lui poser la question. J'ai failli mourir, Tali. Cerberus a consacré 2 ans à me remettre sur pied. Et ils m'ont demandé d'enquêter sur les attaques contre les colonies humaines. C'est ridicule. Personne n'irait dépenser autant de ressources pour sauver un simple soldat. Vous ne connaissez pas Shepard, Prazza. Cerberus n'a pas dépensé ses crédits pour rien. Dans ce cas, nous pouvons peut-être faire équipe. Nous sommes à la recherche d'un jeune carien du nom de Véhétor. Il était ici en pèlerinage. S'il a survécu,
Il pourra peut-être nous expliquer ce qui s'est passé. Oui, c'est ce que nous espérons aussi. Nous l'avons aperçu, mais il n'avait pas l'air au mieux. Il était blessé et, comment dire, nerveux. Vétor a toujours été instable. En plus, sa combinaison est endommagée, il souffre probablement d'une infection due à une exposition prolongée à l'atmosphère. Il doit être fiévreux et délirant. Dès qu'il nous a vus, il s'est réfugié dans un entrepôt à l'autre bout de la ville. Et il a programmé les mécas pour tirer à vue sur les intrus. Vétor est notre seule chance de comprendre ce qui est vraiment arrivé sur cette planète. Le mieux, ce serait de coopérer, non? Oui, bonne idée. Il faudra deux équipes pour passer les drones, de toute façon. On travaille avec Cerberus, maintenant? Non, Pradza. C'est vous qui travaillez pour moi, et si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à m'attendre dans le vaisseau. Dirigez-vous vers l'entrepôt en passant par le centre de la colonie. Nous allons essayer de le contourner et d'attirer quelques drones pour vous ouvrir un passage. Vous n'avez pas l'air de beaucoup aimer Cerberus. J'ai raté quelque chose? Ils ont tué des cariens, infiltré notre flotte et tenté de faire exploser l'un de nos vaisseaux. Je ne vois pas tout à fait les choses de cette manière. Ça n'avait rien de personnel. Le moment est mal choisi pour ce genre de discussion. Restons concentrés sur la mission. Oui, nous devons faire équipe pour retrouver Vétor. Restez en contact radio. Ok. Bonne chance, Shepard. Et quoi qu'il arrive, ça me fait plaisir de vous revoir. Merci pour l'avertissement. On s'en occupe. Ennemi détecté. Déconnexion. Attendre. Allez, on peut encore les arrêter. Arriver les premiers jusqu'à Vétor. Mettez votre commando à couvert et j'ouvre les portes de la baie de chargement. On va se mettre à... J'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en baver. Yeah.
quoi, ce truc? Sont revenus. Les mécas protègent. Bien cachés. Pas de monstres. Pas de nuées. Non, 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 non. Vaetor? Pas Vaetor. Pas ici. Nuées, pas voir Vaetor. Les monstres... Vous êtes en sécurité à présent. Je crois qu'il ne vous entend pas, commandant. Bien caché. Bien. Vous êtes une humaine. Comment leur avez-vous échappé? Échappé à qui? Les monstres. Les nuées. Ils ont enlevé tout le monde. Nous ne sommes pas des survivants, Vaetor. On vient juste d'arriver. Vous ne savez pas. Vous ne voyez pas. Moi, j'ai tout vu. On dirait une vidéo de sécurité. Il a dû faire le montage lui-même. C'est quoi ce truc? Bon sang, c'est un récolteur. Qu'est-ce que c'est? Un alien? C'est une race extraterrestre qui vit au-delà du relais Oméga 4. On ne les voit que très rarement. Oui, en général, ils utilisent des intermédiaires. Mais s'ils travaillent pour les moissonneurs, ça pourrait expliquer leur présence ici. Les récolteurs possèdent une technologie très avancée. Ils ont peut-être fabriqué une arme capable de neutraliser toute une colonie. Les nuées de chasseurs. Personne ne leur échappe. Les chasseurs paralysent leur proie et les monstres les emportent. Je voudrais en savoir plus sur les récolteurs. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Ils sont si rares que la plupart des gens pensent qu'ils n'existent pas. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'ils enlèvent des humains? Qu'est-ce qu'ils en font? L'homme trouble aura peut-être une idée. Parlez-moi des nuées. C'est comme ça qu'ils vous trouvent. Des nuées de petites machines, comme des insectes. Les nuées vont partout. Elles vous trouvent et elles vous piquent pour vous immobiliser. Des drones miniatures, peut-être. Programmés pour traquer et immobiliser leur proie à l'aide d'un champ de stase ou d'une neurotoxine. Comment avez-vous échappé aux récolteurs? Les nuées ne m'ont pas trouvé. Les monstres ne m'ont pas vu. Ce genre d'oubli ne ressemble pas trop aux récolteurs. Peut-être que sa combinaison l'a protégé des sondes. Oui, ou alors les drones sont programmés pour détecter uniquement les humains. Pour l'instant, seules les colonies humaines ont été attaquées. Et ensuite? Les monstres ont fait monter les humains dans leur vaisseau. Et le vaisseau est parti. Mais ils vont revenir me chercher. Personne ne leur échappe. Je crois qu'on n'en tirera rien de plus, commandant. Merci, Vaetor. Vous nous avez beaucoup aidés. Je les ai étudiés. Les monstres. Les nuées. J'ai tout enregistré avec mon Omnitech. Données électromagnétiques. Énergie noire. Nous devons rapporter ces données à l'homme trouble. Appelez la navette. On embarque ce carien avec nous. Quoi? Le Vaetor est blessé, il a besoin de soins, pas d'un interrogatoire. On ne lui fera aucun mal. On veut juste savoir ce qu'il a vu. Ensuite, on vous le rendra. Vos hommes ont déjà essayé de nous trahir. On a besoin de Vaetor. On ne peut pas vous laisser partir avec lui. Pradza était un imbécile et il l'a payé cher. Prenez son Omnitech si vous voulez, mais de grâce, laissez-moi Vaetor. Vous pourriez rester avec nous, Tali. On pourrait faire équipe, comme au bon vieux temps. J'aimerais vraiment, mais c'est impossible. Je ne peux pas abandonner ma mission. Quand je l'aurai accompli, si je suis toujours en vie, nous verrons. Si vous êtes toujours en vie, c'est quoi cette mission? Désolée, Shepard, c'est confidentiel. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je dois me rendre dans l'espace Gate.
Vaetor est traumatisé. Il a besoin de soins. On va prendre son Omnitech et le laisser rejoindre la flotte. Compris, commandant. Merci, Shepard. C'est bon de savoir que c'est toujours vous qui donnez les ordres. Bonne chance, en tout cas. Si je découvre quoi que ce soit, je vous contacterai. Ok, on peut y aller. Shepard, beau travail sur Freedom's Progress. Les Cariens nous ont transmis leurs conclusions suite au débriefing de Vaetor. Rien de neuf, mais la main tendue est surprenante vu nos démêlés précédents. Vos méthodes diffèrent des miennes, mais le résultat est là. Ça ne vous arrive jamais de jouer collectif ? La diplomatie peut se révéler très pratique, mais elle est difficile à appliquer pour quelqu'un que tout le monde perçoit comme une menace. Mais l'essentiel, c'est que les récolteurs sont responsables des enlèvements, et vous l'avez prouvé. Pourquoi j'ai cette impression que vous étiez déjà au courant ? J'avais des soupçons, mais il me fallait une preuve. Les récolteurs sont pour le moins énigmatiques. Ils se rendent à intervalles réguliers dans les systèmes Terminus, en quête d'objets ou de spécimens sans importance, qu'ils échangent généralement contre leur technologie. Une fois leur transaction terminée, ils disparaissent en terre inconnue par le relais Oméga 4, aussi vite qu'ils sont arrivés. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'indiquait une attaque directe des récolteurs. En terre inconnue ? On ne sait pas où mène le relais Oméga 4 ? Tout ce qu'on sait, c'est qu'aucun des vaisseaux l'ayant franchi n'est jamais revenu. Notre hypothèse est que le relais réagit différemment aux vaisseaux récolteurs, qu'il laisse passer sans encombre. Or, s'ils peuvent manipuler les relais, c'est une preuve supplémentaire qu'ils sont de mèche avec les moissonneurs. Qu'est-ce que les récolteurs retirent de ces tractations ? Il faudrait être récolteur pour le savoir. La plupart du temps, ils cherchent des espèces présentant une anomalie ou mutation génétique rare. Ils paient des sommes exorbitantes aux esclavagistes et aux mercenaires pour obtenir ces spécimens. Ensuite de quoi, ils repartent. Mais jamais encore, ils n'avaient pris une espèce précise pour cible. Et les échantillons précédents comptaient une douzaine d'individus, pas des dizaines de milliers. Vous avez une idée sur ce qui les intéresse chez les humains ? Si ce sont les agents des moissonneurs, je vois plusieurs raisons. Bien évidemment, l'humanité a joué un rôle majeur dans la destruction de Sovereign. Cela a peut-être suffi à attirer leur attention. Mais ce qui me trouble le plus, c'est qu'ils prennent la peine d'enlever les colons. Une fois les humains paralysés, pourquoi ne pas simplement les tuer ? Vous me cachez quelque chose. Qu'est-ce qui vous dit que les moissonneurs sont impliqués ? Le fil conducteur est là, enfoui parmi les données. Le Conseil et l'Alliance soutiennent que la menace des moissonneurs est morte avec Sovereign. Nous, nous y voyons plus clair. Je refuse d'attendre que les moissonneurs soient sur le pied de guerre. La meilleure défense, c'est l'attaque. Si c'est une guerre, il va me falloir une armée, ou un commando de première. J'ai déjà compilé une liste de soldats, scientifiques et mercenaires. Vous aurez des dossiers sur la crème de la crème. Vous risquez d'avoir du mal à les trouver et à les recruter, mais j'ai confiance en vos dons de leader. Je vais continuer de pister les récolteurs. À leur prochaine apparition, je vous avertirai. Vous et votre équipe. Vous devrez être prêts. Gardez-la, votre liste. Je veux des alliés en qui j'ai confiance. Ceux qui m'ont aidé à arrêter Saren et les Guettes. C'était il y a 2 ans, commandant. La plupart d'entre eux ont tourné la page, ou changé d'obédience. Où est Ashley Williams ? Dans l'Alliance, toujours. Elle a été promue, je crois. Son fichier est étonnamment bien protégé. Où est Urnot Vrex ? Il est retourné sur Tutchanka et n'en est pas reparti depuis plus d'un an. Il tente de fédérer les clans Krogan. Où est Garrus Vakarian ? Le Turien a disparu quelques mois après votre mort présumée. Même nous, nous n'avons pas été en mesure de le retrouver. Où est Lyaratsoni ? Sur Ilium. Mes sources indiquent qu'elle opère pour le courtier de l'ombre. Si c'est le cas, elle n'est pas fiable. Ok, j'ai compris. Ils ne sont pas disponibles. Vous êtes un leader, Shepard. Si vous avez besoin d'alliés, vous les trouverez. Je suis toujours Spectre. Je peux peut-être convaincre le Conseil de nous aider. Si vous vous en croyez capable, faites donc. Mais vous avez été mise hors jeu depuis longtemps. La donne a changé, ne l'oubliez pas. Occupez-vous des récolteurs, je m'occupe de mon équipe. Avant que vous partiez, encore 2 choses. D'une part, allez sur Omega et trouvez Mordin Solus. C'est un scientifique galarien brillant. Nos renseignements indiquent qu'il pourrait être en mesure de contrer les drones paralysants des récolteurs. Bonne idée. C'est quoi l'autre chose ?
J'ai trouvé un timonier qui devrait vous convenir. Il paraît que c'est l'un des meilleurs. Un homme de confiance. Salut, commandant. On rempile comme en 40, pas vrai? C'est bien vous, Joker? Je n'arrive toujours pas à y croire. C'est plutôt moi qui devrais dire ça. Je vous croyais morte. Ouais, j'ai eu de la chance, mais tout a un prix. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Sans vous, c'était plus pareil, commandant. Vous avez remué pas mal de choses que le conseil a voulu effacer. L'équipe a été dissoute, les documents gênants archivés, et j'ai été mis à pied. L'Alliance m'a retiré la seule chose qui comptait pour moi. Alors quand Cerberus est venu me trouver, j'ai pas hésité. L'homme trouble, vous lui faites vraiment confiance? Je ne fais jamais confiance aux grosses huiles, mais Cerberus n'a pas que de mauvais côtés. Ils vous ont sauvé la vie, et ils m'ont donné une deuxième chance. Et puis, regardez ça. Je ne l'ai appris qu'hier soir. Sweet Home, commandant. Il est magnifique, non? Il ne reste plus qu'à lui trouver un nom.